Ces aires protégées sont au nombre de, disons, 9, parce qu'il y a 7 forêts classées et 2 réserves naturelles. Donc, et ça concerne 3 communes, la commune de Gandon, la commune de Ndiaye et la commune de Mbane. Donc, nous allons faire, ça a été fait d'ailleurs par en partenariat avec l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte, qui est l'agence d'exécution du PEDIDAS pour cet important volet de gestion des forêts classées et des réserves naturelles. Et en partenariat avec les services des eaux et forêts également. Et c'est le cabinet Soterco qui a fait ces études. C'est une belle initiative qui vient à son heure, d'autant plus que le problème lié à l'environnement reste d'actualité. Et ne serait-ce que peut-être pour nous rappeler du sommet de Katowice qui a eu lieu tout récemment en Pologne, qui parle effectivement des problèmes d'environnement. C'est pour dire effectivement que c'est une question préoccupante qui interpelle la communauté internationale. Il était donc nécessaire que nous, au niveau local, que nous puissions également réfléchir sur ces questions-là et voir également comment articuler donc la démarche par rapport aux ententes des populations. Pour gérer la terre, on a besoin du végétal. Et donc que ce végétal puisse être géré, les populations aussi doivent s'y mettre. Et pour seulement que ça ne puisse, comme le disait la coordinatrice, que ce ne soit pas une forêt classée et que ne serve pas aux communautés. Et c'est là tout le sens que nous avons eu à élaborer ces plans d'aménagement et de gestion. Maintenant, quand on va les élaborer, on l'a dit, la mise en œuvre, c'est un autre aspect important parce que ça ne sert à rien d'élaborer des plans d'aménagement et pour lesquels également une mise en œuvre ne se fait pas. Et voilà pourquoi c'était important lors de la présentation de ce matin de voir qu'effectivement il y a une part importante qui est un peu destinée à ce que la mise en œuvre puisse être suivie. Plan d'aménagement, c'est bon pour le travail. Parce que nous avons vu que nous avons fait des choses comme ça. Nous avons fait des choses comme ça. Parce que si on regarde 2006, on a fait un projet pour nous Sénégal-Mauritanie, la biodiversité. Nous avons pris l'apprentissage pour nous. Au moins, nous avons fait un peu de temps pour nous. Nous avons fait un peu de temps pour nous. Nous avons fait un peu de temps pour rectifier ce plan d'aménagement. Pour nous, nous avons fait un peu de temps pour nous. Nous avons fait un peu de temps pour activités de l'air, des gens de l'air, et des gens de l'air. Ce qui est comme ça, il faut que tout le monde soit dans le monde. Motax nak baxna trop mais pour ñu mëne ko liggéey il faut mu laaj waxtaanat digënt population bi PEDIDAS état bi yépp ndax mirum foré classe bi parce que sam kat ya fa nek foré classe bi lañu yaakar mo lañu jëriño té bu fekkene am leen lo xamné bëgg nañ ci info de ko biir foré classe sam kat ci foré classe lañu doon jëriño aussi laaj na waxtaan laaj classe xeyna waxtaan nañu mëne dess na Fonds environnement mondial jaar naf def ay pancarte ay borne ñun ñi ñoko ñoo jëlone financement bu mais PEDIDAS aussi bu ñëwé bëgg continue lool def war continue pancarte panneaux yi bo kep ko xamne du bir forecast ngane forecast fi la yëm fi la tambulé fi la yëm nga xamni samakat bi biir ku fu ñëw dina xam fi la forecast bi tambulé fi la yëm baykat bi aussi xam ko ndax il faut def ay immatriculation yo xamne dañ xamne fi forecast la bok deful kenn du xam fan la limite bi nek aussi depuis 2006 ba légui ay vegano mo suñu jog liggéey soit par ses propres moyens wala mu am mo moyen venir de l'extérieur muy fem fond mondial pour l'environnement wax deug yalla mo ngi leen di gën leen sante parce que tout juste mo ngi do jox jeex suñu projet matul 2 mois kon nak japp na ni ñun forêt classée duñ ko sétane dañ koy liggéey fiñ tollu population bi engagé wona té xam na lan moy njëriñ bi